Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau concept, une série de vidéos dédiées aux équipements équestres. Le premier épisode sera sur la clôture. C'est parti! Je suis Ariane Lefebvre, architecte équestre chez Horse Stop, et je vais vous présenter du coup les différentes gammes et en quoi bon, le plus correspond ou pas à votre projet. Il existe trois types de clôtures. Tout d'abord, la clôture physique, comme ici, donc une clôture bois, où là, on va mettre une barrière vraiment physiquement impénétrable par le cheval. En deuxième, vous avez la clôture permanente, donc c'est la clôture plutôt électrifiée. Et en troisième, vous avez tout ce qui va être les clôtures naturelles, donc par exemple les haies. On commence avec la clôture standard, donc dans la catégorie des clôtures bois, donc qui est derrière moi ici. La clôture standard, c'est une clôture qui est très polyvalente, qui est sécuritaire aussi, parce que comme je disais tout à l'heure, on va empêcher le cheval de passer. Elle est très esthétique, donc par exemple pour une entrée de propriété, le long du public, etc. C'est la clôture qui est idéale pour une écurie propriétaire, pour une école d'équitation aussi, dans le rapport au public. Ça va être très bien aussi pour tout ce qui va être écurie sport, voilà, quand on veut amener un petit peu d'esthétique dans sa propriété, tout en restant quand même sur un modèle assez polyvalent, assez standard comme le nom l'indique. Donc la clôture Normandie ici, en fait, elle a des poteaux qui sont beaucoup plus imposants, donc des poteaux rectangulaires. Ça va être idéal donc pour des chevaux un petit peu difficiles ou par exemple si vous êtes dans la région normande, parce qu'on retrouve un petit peu l'esthétique qu'on avait avec les travers de chemin de fer. Voici la clôture Majesté. Cette clôture a la spécificité d'avoir une tête de poteau, comme vous voyez ici, qui est très travaillée, donc en pointe diamant. Et ça donne vraiment en fait de l'allure à votre propriété équestre. Donc je vais le conseiller plutôt tout ce qui va être entrée de propriété, le long par exemple, voilà, des voiries un petit peu d'honneur dans les écuries, mais également pour donner un peu de luxe et de charme en fait, par exemple à des paddocks, voilà. La clôture Sérénité, comme vous le voyez ici, donc c'est une clôture qui est grillagée, qui est faite pour empêcher donc un choc avec le cheval, mais également qu'il puisse rentrer ou sortir un sabot. Elle va être utilisée dans plusieurs cas de figure. Donc tout d'abord, si vous êtes par exemple une école d'équitation, vous accueillez un public qui est assez jeune pour éviter que les enfants passent sous la clôture. Moi, je la mets très régulièrement dans les projets dans ce cas de figure. En lisière de forêt, si vous êtes par exemple pour empêcher que les sangliers ils rentrent dans vos pâtures. Donc voilà, ça va être vraiment une clôture qui va permettre de dissocier les flux entre plusieurs types d'animaux ou plusieurs types humains, équins, etc. En plus, comme vous pouvez voir ici sur cette vidéo, en fait, le grillage de loin, on ne le voit presque pas, donc c'est super esthétique. La clôture bouclée, la plus belle clôture du monde. C'est une clôture qui est assez particulière parce qu'elle est très originale dans son esthétique. Vous voyez que c'est une clôture noire qui est très robuste, en acier galvanisé, donc c'est une durée de vie énorme et ça donne vraiment du cachet à votre écurie. Donc je vais le conseiller un petit peu comme la Majesté sur des anciennes propriétés, mais également donc des grandes longueurs de paddock, des belles écuries privées quand vous voulez aussi donner de la valeur à votre patrimoine, ça peut être une clôture très intéressante. Nous avons vu la gamme de clôtures bois Horse Stop, maintenant je vous propose de passer aux clôtures permanentes électrifiées dans le showroom intérieur. Suivez-moi! Nous voilà à présent dans le showroom intérieur avec l'ensemble de la gamme de clôtures électriques. Alors la clôture ruban ici, c'est une clôture donc qui est assez épaisse, donc on a 4 cm, assure une très bonne visibilité sur les chevaux. Et le tissage ici, donc vous voyez en fait, il est assez ventilé pour permettre justement d'avoir une faible prise au vent. Donc c'est une clôture idéale pour sa visibilité, mais aussi elle est très sécuritaire. Les écarteurs, donc ça va être utilisé donc sur les clôtures bois qu'on a vu juste avant, ça va permettre du coup de mettre de la distance entre le cheval et la clôture. Donc soit pour éviter par exemple si vous avez je sais pas des entiers pour avoir plus de séparation, ça peut être également du coup mettre à distance les chevaux du public ou si vous avez une zone vraiment à protéger, par exemple des arbres derrière, ça peut être utile dans ce cas-là. La clôture Horse Bide ici, en fait c'est une clôture où vous avez des poteaux pré-percés ici où la clôture passe à l'intérieur, donc avec des isolateurs qui sont directement intégrés. C'est une clôture qui est plutôt esthétique, qui dure bien dans le temps et qui assure également une bonne visibilité. Ici, la clôture australienne, il faut savoir que c'est ma clôture préférée. C'est une clôture du coup qui n'est pas électrifiée ici, donc en fait elle est très souple comme vous pouvez le voir là. C'est vraiment super en cas de choc parce qu'il n'y a pas de blessure.
Et on va venir du coup avec les écarteurs que je vous ai montrés précédemment, donc électrifiés. Elle est équipée de jambes de force comme vous voyez ici, donc avec des tendeurs et des demi-vis là, pour renforcer l'ensemble de la structure. L'avantage sur des clôtures comme ça, c'est qu'on peut, on va pouvoir écarter les poteaux jusqu'à des distances de 8 à 10 mètres. Alors vous avez ici un fil d'alliage aluminium, donc comme les écarteurs, il vous permet du coup de protéger la clôture en bois grâce à sa bonne conductivité. Maintenant que vous connaissez l'ensemble des solutions de clôture hors stop, vous pouvez configurer votre projet directement sur notre site internet. Choisissez votre modèle de clôture avec toutes les options que vous souhaitez. Vous pouvez même renseigner ou bien mesurer vos parcelles pour avoir les dimensions en temps réel. Ce configurateur unique au monde vous permet d'obtenir un chiffrage précis immédiatement que vous retrouverez sur la gauche de votre écran et dans le récapitulatif dans la dernière étape. Pour bénéficier de toute l'expertise hors stop, appelez-nous directement au 04 75 55 39 23.